Bonjour à tous, moi c'est Loïc, je fais des vidéos de cuisine et de bonnes bouffes ici à mon studio, un ancien café que je suis en train de rénover. Merci de regarder cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Vous venez de le voir, je fais quelques modifications ici au studio et j'ai mis un rideau parce que j'en avais marre que c'était juste un trou vide. Je dois juste encore régler un peu l'histoire du truc en dessous, c'est encore un peu trop long, mais c'est pour plus tard. J'ai aussi mis une petite étagère ou une petite penderie pour des accessoires de cuisine, comme ça c'est bien organisé. Une planche pour des bouteilles d'huile, des herbes, etc., etc. Mais comme ça, au moins, c'est un peu plus ordonné. Aujourd'hui, je vais aussi à un événement pop-up de YouTube pour un peu mieux connaître cette plateforme que je connais pas encore très très bien. Donc ça va être chouette. Après, je vais aller faire un don de sang à la Croix-Rouge. Je vous invite tous à le faire parce que ça sauve des vies. C'est très important. Allez juste faire des dons de sang si vous pouvez. Évidemment que je vais faire une recette aujourd'hui, mais je vais faire un truc un peu spécial parce que j'ai reçu un livre de cuisine et pas un livre comme les autres. C'est un livre de cuisine d'un jeu vidéo. Voici le livre de cuisine Fallout. Merci Fallout de me l'avoir procuré, c'est très gentil. Je savais pas que les jeux vidéo sortaient aussi des livres de cuisine, mais bon, pourquoi pas. Je vais aussi peut-être vous raconter que normalement, j'aime pas trop utiliser des livres de cuisine parce que j'aime pas suivre des recettes à la lettre, donc je vais plutôt choisir une recette, m'inspirer et faire ma propre version. Je crois que ça va être plus sympa. Maintenant, bah, il est temps de choisir une recette, quoi. Ah, un mac and cheese. Le macaroni jambon fromage, mais peut-être à la place d'utiliser du jambon, comme on fait d'habitude, je pense à du lard un peu croustillant pour avoir plus de texture. Et aussi peut-être le gratiné, parce qu'ici, il n'est pas gratiné. Et moi, j'aime justement bien quand il y a une bonne croûte au-dessus et qu'à l'intérieur, ce soit bien fondant et qu'il y a du fromage partout. Ok, c'est décidé. Je vais faire un mac and cheese à ma version avec la pancetta. Il y a une chose dans la recette du livre que je trouve assez surprenant, un peu bizarre, c'est l'utilisation d'une carotte. J'ai un peu réfléchi et puis je me suis dit, c'est un mac and cheese, donc c'est des pâtes avec une sauce de fromage et dans ce cas-ci un peu de pancetta. Donc où sont les légumes? Ben, il n'y en a pas. Je trouvais ça intéressant, donc je vais faire une sorte de purée avec une carotte, une patate douce, des échalotes et de l'ail que je vais un peu faire venir dans de l'huile d'olive et puis purée au mixeur et rajouter à la sauce pour quand même avoir quelque chose de légumes. Je vais commencer par ça. Une patate douce, deux carottes, deux échalotes et quelques gousses d'ail que je vais couper très finement et puis faire revenir dans du beurre à feu moyen, assaisonner avec du sel et du poivre et une feuille de laurier. Mettre le couvercle comme ça peut bien cuire et ça va durer environ 15 minutes. Et entre temps, je vais m'occuper du fromage, des fromages. J'ai choisi trois fromages. Ah, c'est pas facile à une main. J'ai choisi trois fromages pour la simple raison qu'il faut trois sortes différentes. Pourquoi ? La mozzarella, tout premièrement, pour le côté onctueux, c'est un fromage qui fond très très bien. Puis le cheddar, c'est obligatoire dans un mac and cheese, ça donne vraiment le goût très particulier du mac and cheese. Et moi, j'ai choisi comme troisième fromage du parmesan. Et pourquoi ? C'est mon fromage préféré. Bon, je vais râper tout ça. Pour les fromages, je vais utiliser trois quantités identiques, râpées évidemment, et puis tout bien mélanger pour que ce soit un mélange homogène. Et je vais utiliser une partie pour la sauce et l'autre pour gratiner. Il est maintenant temps pour les pâtes, j'ai choisi des macaroncelli. C'est des macaronis, mais bon, vous voyez, les longs. Ça dure environ 11 minutes pour les cuire. Mais comme la cuisson va terminer au four, je vais les cuire que 7 minutes. Comme ça, elles sont encore bien al dente. Et la cuisson se terminera parfaitement au four. Les légumes sont cuits. Ne pas oublier d'enlever la feuille de laurier. Et j'utilise un mixeur plongeur pour obtenir une purée bien lisse et onctueuse. J'aime pas trop les sauces où il y a trop de grumeaux. Donc faites en sorte que cette purée soit la purée la plus fine que vous n'ayez jamais faite. Le roux, c'est la base de la sauce béchamel. Tout simplement, une cuillère à soupe de beurre et de farine que je vais mélanger au fouet pour pas avoir de grumeaux. Et je vais cuire ça à feu moyen jusqu'à obtenir une délicieuse odeur de biscuit. Et c'est important parce que sinon la sauce pourrait avoir un goût de farine crue. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ok, les pâtes sont pré-cuites, il est maintenant temps de les égoutter. Notez aussi que la base de la béchamel est presque prête, donc il faut bientôt ajouter le lait. La purée de légumes est prête aussi, les fromages sont prêts. Égoutter les pâtes et immédiatement les refroidir avec de l'eau fraîche pour arrêter la cuisson. Normalement, je jette jamais l'eau de cuisson des pâtes parce que l'eau de cuisson permet à lier les sauces. Mais maintenant, je dois le faire parce que les pâtes sont vraiment très al dente, elles sont pré-cuites. Si on les laisse dans l'eau de cuisson, elles vont naturellement être trop cuites. Égoutter les pâtes, les rincer à l'eau fraîche pour arrêter la cuisson.
retour au fourneau. Important, maintenant il faut un peu se grouiller parce que la base de la béchamel est bientôt prête. Et je vais juste prendre la caméra. C'est pas facile de marcher avec un statif. Désolé pour le mouvement. Attends, mais ça comme ça, plus ou moins. Ok, comme je disais, terminer la béchamel. Donc, avec du lait froid pour créer une belle liaison et utiliser un fouet pour vraiment éviter un max de grumeaux, aussi important d'ajouter le lait petit à petit et continuer jusqu'à obtenir la consistance désirée. Ensuite, je vais ajouter la purée de légumes et bien tout mélanger également au fouet. Après, le fromage. Bien laisser fondre, ça va durer environ quelques minutes, donc un peu de patience. Et mélanger. Et regardez-moi cette magnifique sauce. Ne pas oublier la pancetta et merci à mes amis chez Whirlpool pour cette plaque Dual Crisp. Et je mets tout simplement la pancetta sur la plaque et puis hop, au micro-ondes. Évidemment, la fonction Dual Crisp et je vais cuire ça pendant 7 minutes jusqu'à ce que ce soit bien croustillant. Et ne pas oublier de goûter une des étapes les plus importantes en cuisine pour voir s'il faut un peu plus de sel, poivre. Allez hop. Oh. On goûte bien les fromages. Le parmesan ressort bien, le cheddar, et les légumes donnent un petit goût, genre légumes rôtis. Et ça allège un peu la sauce. C'est pas mal assaisonné, je vais juste ajouter encore un tout petit peu de poivre noir. Pas de sel, vu que les fromages sont déjà très salés, et la pancetta aussi. Ajouter les pâtes, la pancetta, et puis tout mettre dans un plat qui peut aller au four. Une couche de pâte, une couche de pancetta, du fromage, encore des pâtes, et puis le fromage par-dessus, la chapelure, et je vais cuire tout ça dans un four pendant 20 minutes à 200 degrés, ou jusqu'à ce que ce soit bien doré et coloré. Macaroni, jambon fromage à ma façon, il y a un peu de légumes dedans, il y a de la pancetta. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like et cliquez sur la petite clochette ici au-dessus pour rester au courant de quand mes nouvelles vidéos viendront en ligne. Si vous regardez sur Facebook, taguez quelqu'un qui adore les macaronis jambon fromage. Partagez ça avec tous vos amis et j'espère que vous allez tous faire cette recette. Et maintenant, je dois vraiment un peu me grouiller parce que je dois aller à l'événement YouTube et puis je dois aller faire mon don de sang. Donc, à la prochaine.